Salut les amis, c'est Dulani. Du coup, je vais un peu vous montrer les cadeaux que j'ai eu mon anniversaire. C'est que j'ai pas tout reçu, mais j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. C'est que ce que je vais vous montrer là, je les ai regardés avant, surtout que j'ai eu des problèmes au début. Je vais tout vous expliquer. C'est qu'attendez, le premier produit, voilà. C'est que normalement, pour ceux qui sont actifs sur la chaîne, ils savent ce que j'ai pris. Et je crois que j'ai oublié le micro en bas. Je suis un boulet. J'ai quand même oublié le principal de cette vidéo. Alors voilà, je vais vous montrer tous les objets que j'ai dans cette vidéo. Alors je vais vous dire tout ce que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté. Alors, tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, même ce que j'ai commandé. Un câble HDMI et pauvre je sais pas quoi. Qui en gros sur un cadre graphique, j'ai qu'un HDMI. Et l'autre, sinon c'est d'autres ports. Du coup là je pourrais faire peut-être un double screen. Je pourrais faire un double screen. Ça coûte quand même 20 balles ça presque. J'ai acheté un truc qui est vraiment utile et c'est ça où j'ai des problèmes, c'est qu'en gros voilà, il fait trépied pour webcam, pour caméra, GoPro et téléphone. Franchement, boulanger 30 euros, je vous le conseille vraiment les gars, parce que je l'ai ouvert tout à l'heure, vous allez voir pourquoi. Voilà, je vais raconter pourquoi j'ai eu des problèmes avec cet objet, parce qu'en gros si on retire tranquillement, on est en train de repartir. Jour, il manque des trucs. Il manquait la base du trépied en fait. Il manquait la base du trépied, du coup on y est allé. Mais voilà, sinon je vous conseille vraiment, franchement, je l'ai juste testé 2 secondes, puisque vous savez, j'ai ouvert tout ça. Après, j'ai re-ouvert pour voir si c'était bien. Oui, il était bien. Et j'ai pu tester un peu, genre juste pour voir comment ça rendait. Et le micro, voilà, le micro, il coûte 90 euros, il me semble. Après, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé un bras de micro sur Amazon à 25 euros, pas cher, parce que je compte pas mettre dessus. En plus, il y a le truc, vous savez, qu'on met au-dessus pour cacher, pour pas qu'on cache dessus. Il y a aussi pas mal de choses qui vont avec. J'ai commandé aussi une caméra, voilà, à LDLC avec l'assurance pour 200 euros avec l'assurance. C'est que oui, c'est une caméra de Canon, il me semble, et franchement, grave bien. C'est que à la fin de la semaine, c'est que je vous referai une vidéo où je vous montre ce que j'ai eu. Je vous montrerai en gros le bras mercredi, la caméra peut-être avant, ou je ferai peut-être peut-être j'attire la vidéo mercredi, moi j'ouvrirai le mardi, je reçois mardi normalement, et l'autre mercredi ou on va tout dans le champ. Du coup je recevrai le bras, la caméra, il me semble que c'est bon. C'est qu'alors on va commencer déjà ça les gars, c'est pour faire un double screen, c'est que ça en vrai je vais pas vous le montrer plus. C'est pas que j'ai juste ouvert, de toute façon je pense l'ouvrir. Ça commence bien, il tombe par terre. C'est qu'en gros c'est juste quelque chose qui relie en HDMI. Comme vous pouvez le voir ici, c'est HDMI de ce côté. Franchement, grave bien. Franchement ici il est grave bien ce truc. Et ici je sais pas ce que c'est. C'est un truc un peu comme ça. Et moi j'avais besoin de ça pour me faire un double screen. C'est que ça vraiment utile pour mes lives. Après, ça les gars, je l'ai vu en magasin, j'ai pu le tester. Franchement, si vous voulez commencer des vidéos avec une caméra ou au téléphone, ce trépied est vraiment le meilleur. Franchement je trouve que c'est le meilleur que j'ai trouvé depuis quelques temps. Voilà, donc là on s'en fout de la notice. Voilà comment ça se présente les gars. C'est un peu relevé. Vous voyez bien ma tête. Voilà comment ça se présente. C'est quand on ouvre, ça s'ouvre comme ça. Ça se présente comme ça. Ici la base du trépied. Ici le trépied en lui-même qui en plus se lève pour faire un peu comme une canne selfie. Pour mettre le téléphone. Pour mettre une GoPro ici, me semble, et là en haut pour mettre l'appareil, c'est pas tant. Allez, voilà les gars. Que voilà, c'est encore un peu bonheur sur mon bureau parce que j'ai reçu mes sleeves. Si vous me suivez sur Instagram, c'est que n'hésitez pas à y aller. Voilà comment il se fait. C'est qu'après, alors là, il se réveille tout ça. En plus, tout bien, c'est ça. Vous voyez, ça fait droit devant. C'est que tu peux baisser, monter, ça c'est nickel. En plus il fait 3-6, alors ce que je veux dire c'est qu'il fait 3-6, c'est vraiment bien. Et après si on tourne comme ça, olé. Si on retourne comme ça, olé. Et si on retourne, olé. Et là après on retourne tout. Et voilà les gars, une grande paire selfie, c'est franchement grave bien. C'est qu'à du coup je vais retourner, tac.
Tac et tac. Si franchement on grave bien. Après vous avez une petite clé avec. Ouais, c'est plutôt pratique. Ça il me semble c'est l'adaptateur pour la GoPro, il me semble. Je suis pas sûr les gars. Hein. Mais il me semble que c'est pour la GoPro, c'est pas tant. Il se met où pour voir. Ouais, c'est pour les GoPro, ça se met. Oui voilà, allez. Les GoPro en gros, c'est les GoPro. Toi tu dévises ça là et la GoPro tu la branches comme ça ici là. Voilà. Les GoPro. Et là pour le téléphone, c'est que les gars, si vous avez GoPro caméra ou un téléphone, ça fait les. Ça fait. Là ça fait téléphone. Et c'est nickel. Téléphone à brancher comme ça ou comme ça. C'est vraiment parfait. Et franchement, tous ceux qui veulent faire des vlogs et tout, franchement parfait. En plus, t'as la petite mallette à emporter avec toi, t'as ça. Alors maintenant, comment ça rentre? Alors déjà, ça, tu peux le prendre comme ça. Même celui-là, tu peux le prendre comme ça. En double caméra, c'est en vrai, tu peux avoir double caméra. Sinon, après, si tu fais une grosse caméra, tu le branches comme ça. Déjà, à ce moment-là, c'est une grosse perche. Tac, tac, voilà. Comme ça rend. Et après, bah, bien évidemment, on peut faire ça. Ça c'est qu'en vrai les gars il est vraiment grand pour vous montrer. Attendez, en taille réelle je vais prendre la caméra. Ça vend comme ça, c'est que c'est vraiment grave pratique je trouve. Bon, en tout cas moi ça va être vraiment grave pratique pour mes vidéos. C'est voilà. Après bien évidemment vous pouvez juste, moi ce que je ferais pour mes lives Live Pokémon, en vrai, je sais pas, mais je ferais... En vrai, j'aimerais bien faire comme ça et comme ça, au moins vous aurez un plan de haut. Donc voilà, je déciderai quand j'ai ma caméra. De toute façon, avec mon téléphone déjà, mais je pense que mes prochaines vidéos seront faites avec ma caméra parce que je compte pas voir Pokémon dans quand même quelques semaines, surtout que j'ai plus trop de budget là. J'ai dépensé environ 300 et quelques dans tout ça, les gars, c'est vraiment beaucoup. J'ai plus trop d'argent, voilà, les gars, à pas se cacher. Du coup voilà, j'ai plus trop d'argent. Bien sûr j'essaie de vous faire des vidéos Pokémon mais ça va être de plus en plus compliqué. Après j'ai quand même de l'argent de poche, mes parents sont sympas, voilà, c'est que bon, je pense que je vais en prendre un peu mais j'en aurai beaucoup moins que ça. Bien évidemment après vous pouvez faire comme ça et je pense que la prochaine vidéo que je vous... la prochaine vidéo déjà, où je fais ma caméra, je vous ferai avec ça, c'est 4 000. Attendez les gars, c'est que je vais vous enlever du petit où vous êtes là, tac. Je pense qu'il y aura des coupures, hein. Je sais pas si je laisserai ça. Ça passe crème. Et là, je le pose. Ouais, par contre, il n'y a pas trop de place sur mon bureau, c'est un peu bordel. Là, et là, c'est beaucoup mieux. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est pas ça, bon. Excellent. C'est que maintenant, les gars, voilà, vous êtes jusqu'à avec à ça. Et maintenant, le micro. Je vais m'éblouir un peu la gueule, on peut se cacher. Voilà, les gars. Le micro. Des jeux qui piquent comme je l'avais. C'est un micro de chez, comment ça s'appelle, Nacon. Il a coûté 90€, il me semble qu'il s'éclaire à l'intérieur. Franchement je l'ai regardé parce que comme ils avaient oublié quelque chose là dedans j'ai regardé s'ils n'avaient pas oublié, c'est que non, il n'y a rien oublié. Tac tac. Alors comment ça s'ouvre? Ah oui, tout à l'heure. Ok, là ça se présente comme ça, voilà, ça s'en fout. Ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Alors, on va partir du plus petit. Est-ce que c'est ça? Ah oui, ok. Ça, c'est pour brancher le micro. C'est là où le micro sera posé. Il sera là, les gars. Il sera ici, là, et il rentrera dedans. Et après, il sera coincé. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, bah voilà, le petit trépied. Qui est franchement plutôt pas mal. On fera le test juste après et après de mon côté moi je brancherai le fil pour brancher. Bah, en fait c'est un câble internet il me semble. Voilà le fil pour brancher et bien évidemment le micro qui est noir. Voilà. Alors voilà le micro en soi. Tac tac. Cette vidéo je vais pas le brancher, je vous présente juste. Alors là le headphone, le gain c'est pour monter et réduire le son ici. En haut, en bas, c'est qu'en fait, ici, tu peux brancher ton micro pour entendre ce que tu dis en haut, et là, c'est pour monter et descendre. Voilà, franchement, il est grave pro. Attendez, on va le brancher comme je vous ai dit là-dessus. Attendez, normalement, ça sera ce. On va le tourner. Tac, tac. Bien évidemment, peut-être j'utiliserai ça pour peut-être mes lives Pokémon et encore parce que
Si j'ai un bras articulé, c'est beaucoup plus simple. Après, du coup, ça, là, du coup, ça se met comme ça. Voilà, j'avais raison. Et après, bah, du coup, je pose, tu tournes dessus. Là. Après, je sais pas s'il va bien tenir droit, mais ça, ça a l'air vraiment d'être rigide, les gars. Je pense que ça a l'air vraiment d'être. Ouais, c'est vraiment dur, c'est que. Hop, hop, hop. Waouh, il tient vraiment extrêmement bien. C'est peut-être un peu. C'est un peu bordel là-bas. Ah oui, là, du coup. Imaginez, je vais faire. Attends, là, c'est le test. Là, je peux tourner en 360. Et si je veux baisser, ah oui. Si je veux baisser, alors, si je veux faire tourner en 360, faut que je fasse ça. Que je vous mette dans l'angle du 360. Sinon, ça marche pas, évidemment. Et voilà, tac. Là, je vous rebloque. Et là, les gars, regardez. Ouais. Là, bien évidemment, il est pas branché. Et après, je fais comme ça. Je le coince. Et franchement, les gars, il tient grave bien. Franchement, il tient grave bien. Et en plus, il est grave beau. J'ai pas encore fait le test son, mais je vais le faire juste après la vidéo. C'est que merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ceux qui sont intéressés, mettez-moi un lien dans les commentaires et je vous donnerai les liens, tout ça. Moi je vous conseille, le micro, je vous conseille qu'il a vraiment, il n'est pas niveau qualité prix, il a l'air d'être pas mal, en plus les trucs sont pas mal. Mais avec quoi là, ben, le trépied est vraiment pas mal. Je n'ai pas trop de droit parce que le bureau, on va dire qu'il y a mon clavier souris et tout. Du coup voilà, c'est cette vidéo, j'essaierai de la faire sortir dans pas longtemps. Je pense demain, dimanche, ou peut-être samedi si je suis train de maintenant le truc. C'est que, et après, bah, en prochaine vidéo, je montrerai ma caméra. C'est que voilà, les gars. C'est que, bon, j'ai plus rien à dire. C'est qu'à partir du moment où j'aurai ma caméra, il faudra que je fasse mes montages sur PC. C'est là que ça va être un grand défi pour moi, parce que je n'ai jamais fait de montage PC. Ou peut-être j'essaierai, ou je pense au début. Avant vraiment de m'adapter tout ça, j'essaierai d'apprendre sur PC. Mais j'en verrai, parce que moi je fais tout sur téléphone, les gars. C'est pour ça qu'après j'aimerais bien avoir une tablette iPhone. Parce que moi je préfère faire tactile. C'est que après j'aimerais bien avoir une petite tablette iPhone. Moi je pourrais tout faire du tactile et je trouve ça beaucoup plus simple pour moi. C'est bon les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est franchement, les objets sont vraiment, vraiment bien. C'est que merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout pour une prochaine vidéo Pokémon, Fortnite ou je sais pas quoi. Niveau des Pokémon, j'ai commandé une display japonaise, voilà, display japonaise, je la reçois entre le 1er et le 10 juillet, c'est qu'il y a quand même le temps. Les vidéos Pokémon aussi, j'ai commandé une fausse display sur une sorte AliExpress ou Wish, et que ça aussi elle arrivera après, c'est que ça je vous ferai deux vidéos dessus pour vous montrer que c'est bien du fake tout ça. Après je vous conseille pas d'en acheter parce que c'est vraiment pas ouf, moi j'ai envie de faire une vidéo comme quoi faut pas acheter, que c'est complètement du fake, mais après j'ai envie de tester, voilà. C'est ciao, merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao.